Bonjour à tous. Je remercie d'abord les organisateurs d'avoir tenu bon, parce que moi-même, je voulais organiser un congrès et je n'ai pas réussi. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une présentation. Donc, j'ai dit que j'allais tenir 5 minutes. Donc, je vais vraiment essayer de m'y tenir. Enseigner la coponie de la maternelle à l'université, le bilan de 3 années. Donc, c'est un projet que je porte depuis 3 ans avec près d'une centaine de personnes maintenant. Et vous allez voir qu'il y a tout un tas d'étudiants et d'élèves qui ont été impliqués. Et donc, je ne vais pas trop détailler, en fait, mon vrai métier, entre guillemets, qui est enseignant-chercheur. Donc, je suis universitaire, je suis enseignant-chercheur à donc, la partie recherche, je n'en parlerai pas du tout aujourd'hui. Donc, je suis dans un IUT, une IUT d'agronomie, et je suis responsable d'une licence pro, depuis une dizaine d'années maintenant. Et elle s'appelle Aquaculture continentale et aquariologie. Donc, nous sommes les seuls en France. C'est une formation qui a plus de 30 ans maintenant. Donc, vous vous doutez bien que ce n'est pas moi qui l'ai montée. Hein. Donc, j'ai récupéré une formation qui tournait déjà extrêmement bien. Et l'essentiel des étudiants qui viennent chez nous, c'est parce qu'ils sont passionnés depuis tout petit par l'aquariologie le plus souvent et ils veulent travailler en aquarium public. D'ailleurs, je dois voir Thomas qui est là. Donc, j'ai même la chance d'avoir revu un étudiant, un de nos meilleurs étudiants qui est à la recherche d'un boulot. Donc, ça, c'est aussi mon métier. Si vous voulez discuter avec moi, si vous recherchez des stagiaires, hein, ou si vous avez vous êtes à la recherche de collaborateurs, n'hésitez pas, puisque c'est ça l'essentiel de mon travail, en fait, c'est d'enseigner et de trouver des stages et puis du travail à mes étudiants. Alors, on en a parlé très rapidement ce matin. Vous savez, ici, je pense qu'il n'y a que des gens de France métropolitaine. Alors, peut-être qu'il y a des gens de l'Outre-mer, si c'est le cas, qui lèvent la main. Un, on va être copains. Donc, je peux être copain avec d'autres personnes, hein, mais l'Outre-mer, voilà, on oublie parfois l'Outre-mer et on ne choisit pas où on est. Et moi, je suis né, en fait, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, c'est le seul territoire français et même européen de l'Amérique du Nord. Et donc, j'y suis resté jusqu'à mes 18 ans. Donc là, je pourrais vous en faire des heures, mais ce n'est pas le sujet. Donc, il y a 3 îles principales. On est 6 000. Et alors, je vais vous faire rêver, hein, parce que le sol est gelé un tiers de l'année. Et c'est comme si l'île, elle était en plein milieu de l'océan en ce qui concerne le vent. Donc, ce ne sont pas forcément des caractéristiques qui sont propices, évidemment, à l'agriculture en plein champ. Et historiquement, c'est-à-dire jusqu'en 90, on ne vivait que d'une seule économie qui était la pêche. Et donc, depuis 30 ans, je vous la fais courte, on n'a pas réussi vraiment à se renouveler. Et il y a 3 ans, on m'a demandé si je pouvais aider le territoire à essayer de promouvoir des nouvelles choses. Et en fait, ce que j'ai pensé à l'aquaponie, alors non pas pour monter des fermes aquaponiques, bien que 3 ans après, je suis très convaincu que c'est ce qu'il faut faire, mais en tant qu'enseignant, c'est d'essayer de promouvoir des nouvelles choses. Et l'aquaponie, vous en êtes tous convaincus, est un formidable outil pour produire, mais aussi pour faire beaucoup de pédagogie. Et ça, ça marche à tous les niveaux. Je les ai presque testés à tous les niveaux, ça marche à chaque fois. Et donc, un enseignant, il est parmi ces étudiants. Donc, il y a 3 ans, il y a 3 jeunes filles qui ont accepté de relever le défi parce qu'on partait de zéro. Et donc, on a fait tout un tas de choses. On a fait les portes ouvertes. On a parlé de Saint-Pierre-et-Miquelon en pleine Lorraine. Donc, les gens, ça attire l'œil quand même. Plus l'aquaponie, vous voyez, ça fait 2 sujets qui sont assez, assez étonnants. Donc, on a commencé à promouvoir ça. On a fait quelques petits reportages. Parce que comme on est 6 000, vous voyez, je commence à être, entre guillemets, un petit peu connu parce que parler d'aquaponie à Saint-Pierre-et-Miquelon, du coup, je passe de temps en temps à la télé, donc ça fait parler. Mais tout ça, en fait, a fait boule de neige. Donc, il y a des dates en haut. Donc, ça, c'est le lycée où j'ai fait mes études. Donc, j'ai contacté, en fait, mon enseignant quand j'étais jeune à l'époque, donc Manu, et on a monté une formation. Je pensais que tout ceci serait impossible. Et finalement, dans notre pays, on arrive quand même à faire des choses avec un peu de bonne volonté. Donc, on a monté la première option, donc 30 heures, biologie marine et biotechnologie. Donc, le contenu pédagogique au départ, c'était une feuille blanche. Donc, en fait, on l'a fait au fur et à mesure que Manu s'est donné beaucoup de mal. Et donc, on a eu des petits jeunes là qui, c'est paradoxal, il n'y a pas de lycée de la mer dans beaucoup d'outre-mer, et donc les gens ne sont même pas sensibilisés en fait à ces métiers-là. Donc on part à 18 ans sans jamais en fait avoir été sensibilisé à tout ça. Et donc c'est la deuxième année, donc là où vous avez des petits jeunes qui ont fait ça. Je pense que je vais être plus long que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Parallèlement, j'ai été contacté par quelqu'un qui justement avait vu le reportage en disant « Moi, je suis à Dombasle, donc à 20 km de Nancy, ça m'intéresserait ».
Donc là, ce sont d'autres étudiants, donc comme Thomas, des étudiants de la licence pro, qui sont allés enseigner. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, c'était des étudiants qui étaient, enfin des élèves, pardon, qui étaient en difficulté. Il y en avait même qui étaient proches d'être foutus dehors. Et là, la notion de projet sur 6 mois, ça a été incroyable, puisque des élèves, soi-disant, en difficulté, on ne pouvait rien en faire. On les a mis vachement à l'honneur. Et au final, on a réussi, si vous voulez, à les motiver sur autre chose. Et ça s'est extrêmement bien passé. Si bien que je leur avais dit, si vraiment vous bossez bien, je vous amènerai. Donc on a fait l'Est républicain, donc ce qui est le canard local. Et puis il y a même la télé. Enfin, ça s'est très très bien passé. Donc tout ça, on a fait un ensemble si vous voulez, de communication tout autour, parce que vous êtes là, je pense, la plupart d'entre vous, pour les porteurs de projets, mais tout ce que j'ai entendu ce matin, ce n'est pas simplement produire, c'est produire aussi d'une certaine façon, et c'est d'avoir des convictions. D'accord? Je pense que le produire local, ce n'est pas neutre comme démarche. Et donc l'idée, c'est aussi de faire, notamment sur mon petit territoire, de faire travailler les gens et de comprendre que oui, c'est possible ici localement, donc de travailler en fait, si vous voulez, les esprits. Et donc ce projet ne s'arrête pas, puisque c'est l'année dernière, on a donc fait Dombasle, donc c'est à 20 km de Nancy, donc c'est une petite ville. Il y a aussi Commercy. Et puis donc on a encore remis un projet dont j'ai réussi à motiver encore des super étudiants qui ont bossé vraiment bien, qui ont encore développé des nouveaux outils, des trucs extrêmement ludiques avec les enfants. Et là, c'était avec des sixièmes. Et puis voilà, c'est trop court. Donc, Clermont-Ferrand a aussi embarqué. Peut-être qu'il y en a qui connaissent François Petitet Gognac, donc qui fait l'aquaponie naturelle. Bon, je pourrais en parler en aparté, sinon ce serait trop long. Mais bref, on commence à bosser ensemble aussi. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que c'est un petit patelin, Miquelon. Hein, je ne sais pas d'où vous venez, peut-être qu'il y en a qui viennent de tout petits villages. Et dans cette école, en fait, vous avez 60 étudiants, enfin, pardon, élèves, qui ont de 4 à 14 ans. Il n'y a qu'une seule école. Donc en fait, on va monter cette année l'aquaponie, donc de la maternelle jusqu'au collège. Et donc ça c'est pas simple, hein, mais ça va le faire. Et en fait, c'est pas fini parce que Saint-Pierre-Miquelon, c'est à côté du Canada. Et finalement, nous, parfois, on cherche 4 euros pour faire. Alors tout ça a été fait avec presque rien en plus, hein. Et nous, on cherche, et ben, vous regardez sur Internet, et puis là, vous avez les îles de la Madeleine qui sont ici, qui eux, ils investissent 40 000 dollars. Vous voyez, ça fait 30 000 euros. Pour faire une petite serre, et ils ne savaient pas trop qu'ils allaient la continuer. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est devenu même un projet d'école. Donc, il y a une dizaine d'écoles cette année, avec des collaborations internationales qui se mettent en place. Et donc, oui, je crois énormément au développement de l'aquaponie, vous aussi, évidemment. Et le volet pédagogique est extrêmement intéressant et relativement facile à mettre en place, puisque quels que soient les niveaux auxquels vous allez vous intéresser, notamment 6e, 5e, ça rentre totalement dans les objectifs de formation, ce qui fait que les enseignants de biologie sont souvent très très demandeurs et même moteurs, et puis jusqu'au monde universitaire, donc comme l'a dit Pierre, et puis la licence pro, puis même ingénieur. Enfin, il y a vraiment moyen de faire travailler tout le monde ensemble. Merci. Pas de questions. Merci beaucoup. Ah. Comment s'y prendre pour, quand on travaille dans un lycée, un peu promouvoir l'aquaponie, dans un sens faire un module sur l'aquaponie? Alors, j'ai jamais été autant voir le proviseur ni les directeurs d'école de ma vie. Voilà. En fait, les choses peuvent être très compliquées dans notre système si vous n'avez pas de bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté, en fait, je n'ai quasiment rien fait. Voilà. On est allé avec un enseignant de biologie, Maxime, qui était la troisième année qu'on va travailler ensemble, Max. C'est lui qui fait l'essentiel du travail. Et on va voir la directrice. Le seul point qui va poser, enfin, l'un des points, c'est l'argent. Comme toujours. Mais moi, je leur dis, mais ça coûte 5 francs 6 sous. Déjà, ça calme tout le monde. Voilà. Et après, il faut que ça rentre dans le programme. On a eu tous les types. À Saint-Pierre-et-Miquelon, en fait, je suis arrivé, on m'a dit, mais écoutez, l'éducation nationale met en place des modules de 30 heures. Donc, il y avait le patinage artistique, il y avait je ne sais pas quoi. Et donc, on a pu le faire. Donc, ça, c'était très facile, en fait. Et grosso modo, ça coûtait entre 500 et 1000 euros par établissement, parce que je demandais que mes étudiants, s'ils avaient à se déplacer en voiture, au moins que leurs frais kilométriques soient payés. D'accord? Mais chaque établissement a un petit peu d'argent. Donc, si, il faut rassurer les gens, ils doivent vous faire confiance sur la compétence, sur ce que vous allez amener. Voilà. Si vous rassurez les gens, enfin ça c'est l'expérience de 3 ans maintenant, en leur disant, mais attendez, je vais vraiment être partie prenante, si je vous dis que je vais venir tous les 2, 3 mois, je vais venir.
si je vous dis que je vais faire ça, et puis après, voilà. Donc c'est pas, enfin en tout cas moi je trouve pas que ce soit si compliqué. Il y a beaucoup de profs de bio qui sont très très sensibles à ça. Et pour compléter ce que dit Fabrice, je pense qu'il faut aussi quand même penser à la pérennité des projets. C'est-à-dire que des projets pédagogiques, c'est bien de les mettre en place. Souvent, il y a des équipes d'enseignants motivés. Vous trouvez des apprenants ou des étudiants qui vont être motivés pour installer un projet. Si vous voulez que ça dure dans le temps, faut assurer aussi, faut qu'il y ait une équipe aussi qui permette de gérer d'abord au quotidien l'outil aquaponique que vous mettez en place, que ce soit un potager aquaponique ou une petite serre ou une serre de plus grande taille. Il faut penser quand même à tout ce volet, à la fois le côté travail que ça va engendrer, le côté chronophage aussi, hein, souvent, et bien évidemment aussi penser à la pérennité de l'installation du projet qui a une continuité derrière. Donc, pour compléter, moi j'ai toujours rassuré les gens en disant que je m'appliquais jusqu'à ma retraite. Donc ça leur donne une perspective, je leur dis, je ne suis pas pressé, si ce n'est pas cette année, je reviendrai l'année prochaine. Et si ce n'est pas l'année prochaine, ce sera dans 2 ans. Voilà. Il faut aussi avoir, je pense, une vision puis un engagement qui ne soit pas exactement comme tu le dis. Parce que c'est lourd aussi pour les équipes pédagogiques, parce que ce n'est pas moi qui fais le travail. J'aide, mais ce n'est pas moi qui fais le... Voilà, il faut aller tous les jours voir les poissons, enfin vous savez ce que c'est.